Et c'est dans tout studio des Ensembles d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi vendredi pour la dernière sortie du journal. Pour ce moment déjà, nous souhaitons passer un très bon week-end sur la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, visite jeudi 24 mai un foyer maison providentielle sur Salésien dans Don Bosco, Kishita, dans Kafoufeuille. Visite sa fête en occasion fête Marie Auxiliatrice qui se patronne sur Salésien. Institut national et formation professionnelle qui est pour siga INFP signé jeudi 24 mai deux accords, yon ak organisation internationale travail et puis l'autre là ak centre interaméricain formation professionnelle. Accord ça yo doit aider augmenter capacité INFP dans cadre formation professionnelle jeune ka vivant dans milieu rural. Équipe à caravane en changement dans le département de l'Ouest PIA, tamen yon série travail à capne, en série travail nettoyage dans la rivière Blanche, dans la commune Gantier. Yon équipe à télévision ensemble d'Haïti visite travail sa yo, yap di nou plus dans le journal la matin. Yon bombe explosé bien bonheur matin vendredi dans yon restaurant indien dans la ville Mississauga qui trouvait li à une quinzaine de kilomètres de Toronto dans le pays Canada. Yon quinzaine moun sorti blessé, trois parmi yo sorti gravement. La police canadienne a cherché couche fou deux suspects à tata cela. C'est grand pour ça, il y a quelques autres. Nous avons développé pour notre journal là. Cependant, la petite pause pas de place, nous avons tout à l'heure. Merci pour fidélité. À 14 ans, à journal ça, nous retournons pour développement information. Rapidement, je nous ai dit dans grand titre. Président de la République, Jovenel Moïse, visite jeudi 24 mai, foyer maison provinciale sur Salésien, Don Bosco, Kishita, dans Kafoufeuille. Visite sa fête dans l'occasion fête Notre-Dame Marie Auxiliatrice, foyer maison provinciale sur Salésien de Bosco, gagné 80 l'année depuis le tablico dans le pays d'Haïti. Actuellement, foyer a gagné 56 mounes qui bénéficient d'éducation scolaire et formation dans quelques activités manuelles, tant que couti, bouderie et poterie. Dans l'occasion, ses responsables remettent au président républicain Jovenel Moïse plusieurs cadeaux. Allons suivre. Maison provinciale c'est Salésienne Don Bosco dans Kafoufè gen 83 l'année dans pays a ap okipe ti moun qui sorti dans plusieurs régions. Actuellement, foyer gen 50 ti moun sous responsabilité chez sœur yo. Ti moun sa yo bénéficie éducation scolaire ak formation dans quelques activités manuelles tant kouti, broderie ak poterie. Ces responsables qui te remettent président de la République plusieurs cadeaux, 10 visites ça a entré dans l'analyse l'histoire foyer qui toujours gain bon gens collaboration avec tout chef d'État qui passe sous pouvoir depuis 83 ans. Après pour ce information, nous te dit tout dans grand titre. Équipe caravane changement dans département l'Ouest pays d'Haïti, tamen yon série travail nettoyage dans rivière Blanche Kishita dans commune Grandtien. Équipe yon équipe télévision nationale d'Haïti TNH visite travail mercredi 23 mai passé y a montré nous qui Jean Saye. John Ebika Seyisa ak Wilson Idore a présenté nos reportages. C'est environ une vingtaine de techniciens qui mobilisés pour faire travail curage ça dans rivière Blanche dans commune Gantier. Dans le cadre d'opération ça, techniciens caravane changement yo a fouillé rivière, retiré remblai et puis fait route pour doit passer normalement. Selon ingénieur yo, travail ça pral permettre l'état haïtien réduire risque inondation à glissement terrain qui konn gen dans localité a les gen la pli. Pounya n'a bat pou n'a travaille sur rive gauche là et après pour travailler sur rive droite là pour pousser un peu sur rive droite là, mais travail n'a fait puis gros travail dig n'a fait c'est sur rive gauche parce que c'est la brèche atée qui permet de l'eau aller zone ti marché zone ti b
Et c'est ça que fait, c'est la souligne collée la plus, on travaille sous lui en attendant. Et puis tout nous fait un bel travail là au niveau siphon, hein, quand on est de l'eau à traverser l'allée dans la rive gauche. Nous sommes rive droite là dans la rive gauche. Nous avons fait un travail curage au niveau siphon. Hein, et depuis hier, nous baillons mounio de l'eau, mounio gain de l'eau. De l'eau a descendu juste en bas côté pour rejoindre l'eau pour capable bouser. Population zone, Dio apprécie l'initiative de l'État haïtien prend pour nettoyer la rivière Blanche. Nous souhaitons équipe là mettez gabion dans deux bords rivière pour empêcher de l'eau à l'été colle. J'ai le faire ça avant. C'est ça net, belle bagaille. Parce que ça qu'a fait là pour qu'on gagne là. Mon cher, son fierté le pour président avec nous. Parce que de l'eau a demandé manger nous tout à fait nous. De l'eau a fini prendre. Mon cher président, il y a les deux terres pour tabac nous petit souffle. Pas bon ici. Pendant que l'État vient, on fait travail ça pour nous là. Président fait travail ça pour nous. Nous disons Dieu merci en Philippe. Nous comptons tout, nous connaissons bien souffle. Jovenel Moïse à travers l'équipe Caravane Changement en temps main pour permettre la population à joindre un souffle dans le problème de ces rivières à Cravine contre la cause dans le pays. Dans le moment là. Merci John Herbie Cassius. Après diverses opérations contre l'administration générale, nous avons mené par Boïsit, nous avons arrivé à saisir un vingtaine de camions qui ont transporté marchandises contre dans le pays d'Haïti qui sont dans le pays voisin de la République dominicaine. Directeur général à Douane, Jean-Jorel Janvier, annoncé une enquête qui déjà l'ouvre pour capable identifier et puis poursuivre tout le monde qui est impliqué dans Zaka contre Banan Sayo. En nous souvenant extrême Namiko Rachel Saint-Fort à Clobor Dali Jean-Jacques. Zé, salami, sandal, tennis, assiette en forme, c'est parmi diverses marchandises contrebande qui trouvaient dans post-contrôle douane Gantia suite à une opération responsable administration générale douane menée en collaboration avec l'autre instance dans l'État qui permet de arriver saisir dans la nuit 15 mai 7 camions qui ont transporté marchandises à yo, selon le directeur général douane Jean-Jaurès Janvier. Oui, tout camion ça yo t'a dégain là-dedans produits illicites qui est surveillé. Il y a là-dedans qui gain forme, il y a là-dedans qui gain jus, il y a là-dedans qui gain salami et c'est des produits qui frappés OK d'interdiction pour yo pas passer au niveau frontière terrestre. En ce sens, nous procéder à la saisie OK de ces camions. Saisie ça fait dans la nuit du 15 mai 2018. Ça veut dire que son opération nous commencer faire filature depuis 7h du soir. À partir de 1h du matin, nous commençons à gagner le premier camion. Jusqu'à ce que nous arrivions pour une nuit, là, nous saisissons 7 camions. Mais pour nous saisir, nous regardons une vraie guerre. C'est une bataille. Parce que nous avons tiré et sous policiers et sous douaniers. Les fins tirés, qu'on y a contre bandiers, les batailles n'ont pas trop favorable pour eux, ils prennent la fuite et ils quittent le camion dans la rue. Le 10 mai, nous saisissons un fusil avec 4000 cartouches calibre 40. Ça nous fait l'endroit du port de Port-au-Prince. Dans le niveau de douane Mont-Cabrit-là, constat pas département. Côté gain environ 10 camions marchandises contrebande qui confisqués suite à une autre opération, même autorité ça a été lancée dans la nuit 16, 17 mai 2018 là. D'après le directeur central AGDA Valérie Hilaire Sylvain. Et c'est dans le cadre d'opération que nous avons fait conjointement avec la police frontalière. Nous avons une quantité de camions qui ont de marchandises très importantes et près de 7 à 8 camions. Une dizaine de camions que nous avons là. Nous avons produit en styrofoam, c'est des produits interdits, nous avons œufs, des salami, nous avons soudure, nous avons peinture, nous avons toutes sortes de produits. Directeur général doit nous expliquer qu'il suit toute procédure légale dans ce qui est pour ouvrir un camion à marchandises contrebande nous saisir. Considération légale camion, nous faisons déjà. Nous faisons saisie conservatoire d'abord et nous relayons la justice. Juge de paix est venu, il fait saisir ça. Nous avons l'autre bagarre nous allons faire. L'un fin vérifier net, nous allons faire confiscation. Puisque jusqu'à présent, le camion ça n'a pas aucun monde qui réclame, l'État autoriser la loi, bonne possibilité de confiscation pour nous vendre et marchandises et camions. C'est diverses instances dans l'État, tant que la police, la justice, la douane, secrétaire d'État, sécurité publique,
ministère économie et finance, ministère commerce et industrie qui mobilisé pour combattre corruption contre bande dans pays. Directeur général douane expliqué chaque acteur déterminé pour jouer partition par eux pour lutter contre contrebande dans pays. Directeur départemental à l'Ouest, la police nationale d'Haïti, Belson en seul jour par explication à mercredi jeudi sous climat insécurité qui établit l'école dans la troisième circonscription Port-au-Prince. Commissaire Belson en seul jour annoncé une enquête qui déjà l'ouvrit pour capable identifier raison qui la cause tension ça dans zone ça. Commissaire a demandé population pour les capabilités tête frette pendant le bayou garanti disposition déjà prend pour capable rive joindre solution à problème sa yo. En nous souvient extrait dans déclaration ni dans micro lui dans Jean lui ak Moïse Obrich. Informer de situation et rapidement disposition des temps pour que le calme soit rétabli. Donc l'ensemble de l'unité est mobilisée pour que le calme soit rétabli. Et vos quotidiens, enquête a fait tout ça, ensemble de l'équipe de renseignement, dans la OUIA, pour prendre pour ça, et surtout dans notre patrimoine du caoutchouc. Il faut qu'on dise que la police nationale n'est pas seule, pour ensemble de l'autre entité, et la BIA qui travaille. Et nous proposons des informations, puisque il y a des problèmes, peut-être des malaises. Donc la police nationale d'Haïti, et direction départementale a pris des mesures, puisque véritable problème dans les tirs qui sont faits. Et très bientôt, on va annoncer nous, que direction départementale a pris disposition des contrôles qui sont faits pour que nous jouions rôle par nous, pour nous commencer par arrêter des citoyens qui sont des armes illégales. Et parce que les tirs, et pas bien la police pas seule, les frontières nous sont un peu poreuses, il y a des munitions qui sont rentrées. Mais direction départementale a déterminé pour jouer rôle par là. Puisque nous avons des problèmes, donc on travaille sur ça et les résultats vont se joindre. Et pensez très bientôt, la presse a capable d'informer de résultats qui joignent. Mais ça vous connaît que les DOA, ensemble, toute équipe, nous sommes déterminés pour nous jouer un rôle par nous. Donc, au même comme la presse, on nous dit des problèmes, et là où je suis capable, on nous aide la police nationale, PIA, pour que nous puissions réduire la violence dans la communauté et pour que tout le monde puisse aller vers un plus commun. Ministre haïtien qui vit à l'autre bord de l'eau, Guy André François, accueille jeudi 24 mai une délégation association infirmière haïtiano-américaine qui sortit dans l'État Floride, pays États-Unis. Visite délégation ça dans le pays d'Haïti rentré dans le cadre de mission pour capable accompagner divers l'hôpital public co-privé en Haïti dans le bayo médicaments et matériel et puis permettre plusieurs jeunes cap étudier sens infirmière bénéficier formation et stage dans l'hôpital pays étranger. C'est quoi pas qui avec Fresnel Toussaint a présenté nos reportages. Mission principale association infirmière haïtiano-américaine nan, c'est renforcer l'hôpital public à privé yo nan permettre yo bénéficier matériel médical, installer plusieurs cliniques dans région reculée yo et puis permettre divers jeunes cap étudier sans infirmière bénéficier stage dans l'hôpital États-Unis d'après explication responsable Anayo. Gen différents niveaux que ça n'a fait. Gen niveau c'est l'hôpital yo nous partenaire avec l'hôpital yo nous partenaire avec Primary Care Haiti qui dans l'hôpital nan Pignon, nous partenaire avec Ophelin qui dans Jacques Mellion, nous partenaire avec clinique yo pour nous qui ça yo besoin chaque l'aide a venir qui ça pour nous venir pour une venir attaquer pour nous résoudre problème. So ça dépend. Nous prenons tout le monde qui sort ici, nous menons au Floride, les arrivés pour une semaine ou bien deux semaines, ça y fait. Nous menons dans l'hôpital, nous parlons avec l'autre leçon infirmière. Il y a des dans l'école qui ont l'autre lab, simulation lab, côté yo pratique, yo fait. Yo venu dans côté nous travail. So menons dans différents dans ça, côté que nous menons dans dialysis center. Nous fait cours pour yo même parce que ma amie did offrir nous salle que nous fait leadership cours, nous fait un cours pour sous infection. Nous bayou CPR card.
Pendant 2 ans, l'MT président, moi te recevoir plus que 600 élèves. Ministre haïtien qui a vu l'autre bord de l'eau, Guy André François, qui t'a recevoir délégation ça, fait connaître. Ministère l'a dirigé a prend engagement pour accompagner toute association dans la diaspora qui travaille pour renforcer l'économie pays. C'est peut-être ça, ministère des haïtiens vivant à l'étranger, t'es créé. C'est dans le but d'assister, d'informer et d'accompagner et les haïtiens vivant à l'étranger, particulièrement association yo, élu yo, parce que de jour en jour n'a bien élu dans plus zone, et donc c'est ça que n'a fait aujourd'hui en côté, et nous là pour assister côté, et m'a dit que commissionneur a dit gain un ministre des haïtiens vivant à l'étranger qui tombe dans critère moins qui vient accompagner lui et pour nous ba l'assistance au niveau du gouvernement, parce que vision et président Jovenel Moïse avec et premier ministre Jacques Lafontaine, c'est d'intégrer la diaspora, qui veut dire l'intégration de la diaspora. Et semaine dernière moi été monté et Miami et côté nous t'aller nous premièrement nous t'ai quitté en carrière pour nous célébrer d'apoua dans la zone sud-Floride, côté nous avons participé dans le compas festival, côté nous avons rencontré les différentes associations professionnelles telles que Chambre de commerce, Association infirmière, Association des avocats, côté nous avons un mouvement que nous lançons qui est le caravane changement arrivé sous diaspora. Ça veut dire caravane changement arrivé sous diaspora, qui veut dire que et le développement, la vision président Jovenel Moïse avec le premier ministre Lafontaine, c'est ça y est, l'infrastructure qui a mis sur pied dans 10 départements. Donc moi-même, Wall Pamain, c'est pour aller vers la diaspora, montrer ce que le gouvernement a fait, et me dire que vous-même, c'est pour participer dans le développement des différents 10 départements. Association infirmière haïtiano-américaine gagne 34 l'année depuis la portée assistance par divers hôpitaux avec l'école infirmière dans le pays. Délégation ça a gagné pour quitter le pays d'Haïti lundi 28 mai qui vient là. Une délégation CARICOM a trouvé dans le pays d'Haïti depuis mercredi 23 mai. Objectif à visite ça, c'est travailler pour un projet CARICOM a mis en campé qui baptisé projet mis en place qui chita sur résultat. Côté tout pays membre CARICOM a capable participer dans le projet cela. On nous suivons un reportage avec Anne-Marguerite Auguste à Kevin Pierre. Projet mis en place accès aux résultats, c'est pour arriver sensibiliser autorité en place, secteur privé et socio-professionnel là, sur une série de domaines qui a aidé pays à avancer. D'après député secrétaire général CARICOM, Manorma Soyeknandan, qui continue à expliquer projet ça pour le permettre de mettre ensemble un groupe monde qui a évolué dans le même domaine, ça qui va faciliter le développement du domaine dans plus rapide à travers échange toute qualité pays ça yo pour l'entreprendre. Le même exemple pourrait s'appliquer à l'agriculture, pourrait s'appliquer aux énergies renouvelables. Le même exemple pourrait s'appliquer dans n'importe quel autre secteur énergétique. Donc, les gens en Haïti, que ce soit la population, que ce soit les gouvernements, que ce soit les ministres, ils pourront en bénéficier en commençant par l'action qu'ils font pour pouvoir arriver au résultat final. Donc, tout au long du processus, ils pourront continuellement suivre et évaluer sur une base continue les actions qui sont en train d'être faites afin de pouvoir arriver au résultat escompté. Projet ça considéré comme une feuille de route pour intégration paysement marché commun Caraïbes là. Directeur stratégie management là, Greg Beresford, fait qu'on ait mis en place accès sur résultats pour l'encourager responsable fait plus d'efforts pour développer quelques domaines qui sont importants tant qu'éducation, éducation, agriculture, santé. Et cela va permettre que tous les progrès réalisés dans le cadre de ce système soient suivis afin que tout un chacun puisse bénéficier de ce système. Haïti aura accès à d'autres marchés au sein de la région Caraïbes. Et plus Haïti deviendra compétitive, ils seront capables d'intégrer l'économie mondiale.
Projet mis en place accès aux résultats pour apporter un pile bénéfice pour Haïti parce que les déjà gagnent une ressource humaine compétente capable de profiter tout avantage progrès à offri d'après député secrétaire général CARICOM Nan. Mairie Port-au-Prince a annoncé un ensemble mezi pour capable aider gérer plus bien fatra dans la commune Silla. Parmi mezi ça yon arrêté communal. Magistrat principal à mairie Port-au-Prince, Yuri Chevry, qui a été avec le substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, à directeur départemental à l'Ouest, police nationale d'Haïti, à Berson Soljou, protégé jeudi 24 mai en plus explication sous disposition qu'apprend pour capable faire respecter arrêté communal à Silla. On nous suivi explication de Namiko Luinel Jean-Louis et Moïse Obich. Mais actuellement, nous avons une flotte de 18 camions avec un lot de. Dans le mois prochain, nous avons 7 autres camions avec 2 bacs lot de et un lot de en plus qui nous permettent de faire travail, collecte là, pas digestion. On a toujours dit collecte là qui permettent que nous. À l'aménager. Ménager, ça veut dire en tant qu'à chaque grand monde pour nous prendre un travail pour arriver dans la rue. Mais, mes raisons, vraies raisons, fait la rue. Dire. Tout le monde est toujours à moi de pour que ça ne nous pas empêcher de jeter des patrons dans la rue. Certes, nous ne pouvons pas empêcher de nous ne pas demander de ne pas jeter des patrons, pas mon côté pour jeter des patrons, si nous-mêmes nous ne pouvons pas faire suivi. Et bien sûr, en plus, le monde va parler de SMCRS. SMCRS couvre toute zone métropolitaine, mais chaque ville, bien droit yo même gérer tête yo dans question d'insalubrité, ça veut dire nettoyage là, oui, c'est ça n'a réglé, c'est ça n'a fait pour nous parer nous fin prêt. Nous gain 2 semaines que nous commençons avec une expérience déjà. Nous diviser ville là en 9 blocs ça yo, il y a des blocs qui plus gros que l'autre, nous gain 13 compressifs qui travaillent sur. Ça veut dire compressif c'est camion qui cap prend fatra qui cap compresser pour un maximum fatra. 13 blocs, ça y est, on ne peut pas dire tout dans la tête. Nous divisons le Port-au-Prince en 9. Le mardi, le jeudi, le samedi, nous travaillons sur 7 blocs. Et le mercredi, le vendredi, le dimanche, nous travaillons sur 2 autres blocs qui font 9. 2 autres blocs, ça y est, c'est sur 12 zones, Fontamara, Martissant, Bissanère, et qui travaillent dans 2 jours. Zone Jean-Mas, là. Interdit à quel que soit mon nom, ou bien précisé, quel que soit mon nom, quand on travaille pour l'État, quand on est simple citoyen, quand on est étranger, quand on est n'importe qui sort derrière, si mon monde qui joue nous a fait des fatras dans la zone, ça y est, on tombe en bas là. Dans le cas ça, c'est une sanction à l'amende. Donc, amende, c'est COB, mon nom va le payer. Ouais, article là, c'est COB de 10 000 gouttes, 50 000 gouttes. On met dans leur sanction tout. C'est pour rapidement son tribunal qui nous sert. Son tribunal qui nous sert. Nous-mêmes, nous avons tout appuyé nous. À démarche ça, nous avons trouvé son démarche qui gagne pour finalité réguler le comportement dans la société par rapport à résidus et que pour nous capables de vivre propre, saine et qui capable de permettre de marcher là-dedans et ça se va aller là-dedans. Disposition légale qui crée. Donc nous là pour nous appliquer la loi et les réglementations à la fois de l'exécutif et des mairies. La police nationale d'Haïti à la fois en police d'État et ils ont police communale puisque les policiers conformément à la loi doivent exécuter les arrêtés des maires. Donc dans ce sens, policiers dans la direction départementale de l'Ouest a recevoir instruction pour nous appuyer et exécuter, arrêter ça qui prend en fonction du pouvoir général, hein, de la doctrine. Donc la mairie, le maire, un pouvoir de police générale. Et dans le cas de pouvoir de police générale, ça, c'est la police de la salubrité. Donc côté que pour garantir santé et en même temps la sécurité, salubrité des populations, il y a des décisions qui prennent. Donc, la police nationale, donc dans le directeur de la frontière de l'Ouest, donc la France toute disposition pour que arrêter ça, l'exécuter et l'appliquer.
Nous t'étions tous dans le grand titre Institut national et formation professionnelle qui est pour ce grand INFP signé jeudi 24 mai d'ACO, une organisation internationale de travail, et puis l'autre là, accent inter-américain formation professionnelle. À quoi ça, il y a augmenté capacité INFP dans le cadre de formation professionnelle. Jeune qui vivent dans un milieu rural. Anne-Marguerite Auguste, AKVP a présenté nos reportages à nous suivre. Si tu as commencé à viser développer et exécuter activité formation, échange expérience et puis transfert connaissances dans le domaine formation professionnelle, méthodologie sous formation formateur, compétences pour travail, entrepreneuriat et gestion entreprise. Fabrice Leclerc, coordonnateur programme Bureau international travail pour Haïti, expliquait projet à Consayo qui évalue à plus de 30 000 $ américains pour permettre INFP élargir 4 formations dans l'autre domaine qui est utile marché. Les compétences pour le travail, l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. Donc c'est sur tous ces domaines-là que porte la convention qui vient d'être signée entre l'OIT Sinterfor, qui est l'organisme de formation professionnelle des Amériques, de l'Organisation internationale du travail, et l'Institut national de formation professionnelle d'Haïti, afin de pouvoir renforcer les compétences de cette institution et les préparer aux défis des stratégies qui ont été présentées par Mme Maggie Durcet pour 2017 à 2027. Directrice générale INFPA, Maggie Durcet, salue l'accompagnement OIT Center for by Institution la dirigée. Li fait connaître pour qu'on ait formation professionnelle considérée comme un moteur de développement pays. DG INFPA encourage jeunes à former tête, apprendre un métier parce que formation c'est un moyen clé pour assurer l'avenir. Améliorer la qualité et améliorer l'offre aussi parce que en intervenant sur les deux axes prioritaires de l'axe du plan d'action de l'INFP, c'est faire que les jeunes soient plus intéressés à la formation professionnelle d'une part, leur donner dans un deuxième temps une qualité de la formation à travers les formateurs que nous allons former, à travers de nouveaux programmes que nous allons mettre sur place. Par exemple, si nous prenons l'entrepreneuriat comme nouvelle filière, on peut dire que c'est l'OIT et Sinterfor qui, à eux deux, ont mis en place avec l'INFP cette nouvelle filière pour toutes les écoles professionnelles, pour le niveau professionnel de manière générale. Donc, ce qui fait que un entrepreneur qui va sortir de l'école professionnelle parce qu'il a eu un programme de cours d'entrepreneuriat, donc quelque part, il va y avoir cette valeur ajoutée que maintenant la formation professionnelle demande en termes de modernisation. Pendant la cérémonie signature à Koyo, directrice générale INFPA a profité présenter différentes étapes à plan institution la dirigée à gagner dans le cadre de formation professionnelle là. Et c'est là nous fermons un chapitre local là nous pour aller à l'étranger. Gagné président vénézuélien lui-même qui accusé pays États-Unis comme quoi dire la mener complot contre lui. Nicolas Maduro fait déclaration ça yo hier jeudi pendant l'étape prêter ses membres comme président Venezuela pour un autre mandat par devant assemblée constituante là. Euronews a dit non plus. Au Venezuela, Nicolas Maduro a prêté serment ce jeudi, 4 jours après sa réélection. À l'issue d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Assemblée constituante, le président vénézuélien s'est rendu au ministère de la Défense pour recevoir de l'armée une réaffirmation de loyauté, un soutien essentiel pour le chef de l'État. Lors de cette séquence, Nicolas Maduro a annoncé l'arrestation d'un groupe de militaires, sans préciser leur nombre ni leur grade. Ils sont accusés de s'être livrés à une conspiration orchestrée par les
les États-Unis et la Colombie afin d'obtenir la suspension des élections, a assuré le président socialiste qui va entamer son deuxième mandat en janvier prochain, alors que le Venezuela s'enfonce dans une crise économique et sociale majeure. Il a été réélu ce dimanche avec près de 68% des suffrages et pour une durée de 6 ans face à une opposition divisée qui avait appelé au boycott du scrutin. Pays Venezuela, nous prenons les Kounala dans le pays Canada, nous te disons dans grand sitio, gagné environ une quinzaine de monde qui est blessé, parmi eux, gagné 3 là-dedans, qui est très très grave. En pile, dans une explosion qui arrivait, grand bonnet vendredi là, dans un restaurant indien, dans une ville qui porte le nom Mississauga, qui n'est pas trop loin de Toronto dans le pays Canada. La police a cherché couvre-chef des indiens. Individu yo même yo te wè avec un bèg nan dwo qui très suspect et réunion ça dit non plus. Une quinzaine de personnes ont été blessées dans une explosion survenue dans un restaurant indien de Mississauga dans la banlieue de Toronto. La police a diffusé la photo de 2 suspects soupçonnés d'avoir actionné un engin artisanal dans l'établissement. Ils ont immédiatement pris la fuite et sont actuellement activement recherchés. On ignore à ce stade leur motivation. Parmi les personnes hospitalisées, 3 se trouvent dans un état grave. Et puis, une information qui bouleverse le monde là, qui a dominé l'actualité, qui est tombée ailleurs, puisque il y a un président américain, Donald Trump lui-même, qui annule le sommet historique qui était prévu à faire jeudi 12 juin, qui a venu là, dans Singapour, avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. On nous suit. On reportage avec vous. Ce n'est pas par un de ces tweets rageurs dont il est coutumier que Donald Trump a annulé sa rencontre avec Kim Jong-un. Le président américain a envoyé une lettre au leader nord-coréen qui a été rendue publique par la Maison-Blanche. Donald Trump dénonce la colère et l'hostilité des dernières déclarations de Kim Jong-un. Le monde, la Corée du Nord en particulier, ont perdu une grande opportunité pour une paix durable. Washington conditionnait la réussite du sommet à une dénucléarisation totale de la Corée du Nord, ce que Pyongyang refusait. Ce jeudi au Sénat américain, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a reconnu que le dialogue ne fonctionnait plus. Au cours des derniers jours, nous nous sommes efforcés de faire ce que nous avions convenu de mettre sur pied, à savoir des équipes pour commencer à travailler à la préparation de ce sommet. Et nous n'avons reçu aucune réponse à nos demandes de renseignements de leur part. L'annulation du sommet intervient alors que Pyongyang a démantelé ce jeudi un site d'essais nucléaires souterrain au nord-est du pays, une destruction à laquelle ont assisté plusieurs équipes de journalistes internationaux invités spécialement par le régime nord-coréen. Un geste de bonne volonté à l'égard de Donald Trump qui paradoxalement écrit à Kim Jong-un que l'armée américaine est la plus puissante au monde avant de conclure « N'hésitez pas à m'appeler ». Journal arrive dans le pour jeudi vendredi, mais avant que nous allions, permettre que nous rappelons le grand point qui domine l'actualité. Président de la République, Jovenel Moïse, a visité jeudi 24 mai, foyer maison provinciale, Sœur Salésienne Don Bosco, Kishitana Kafoufeuille. Visite ça, fait en occasion Marie Auxiliatrice, qui est patronne Sœur Salésienne. Institut national et formation professionnelle qui est possible, INFP, signé jeudi 24 mai des accords. Yona ak Organisation internationale à travail et puis l'autre là ak Centre interaméricain formation professionnelle. Accord ça yo doit aider augmenter capacité INFP dans cadre formation professionnelle la bajena nan milieu rural. Équipe caravane changement dans le département de l'Ouest, pays d'Haïti, tamé yon série travail en nettoyage dans la rivière Blanche, Kishita, dans la commune Gantier. Yon équipe télévision nationale d'Haïti visite travail sa yo, yon te présenté nous yon reportage dans le journal.
Et puis à l'étranger, yon bomba explosé bien bonnet vendredi dans un restaurant indien qui chita dans la ville Mississauga qui pas trop loin Toronto dans pays Canada. Yon quinzaine moun en sorti blessé, trois là-dedans yo très grave en pile, yo couché sous cabane dans l'hôpital. La police a cherché couché fou des individus qui suspectent un attentat si là. C'est pour ça qu'on a développé pour quelques autres. Dans le journal, jeudi, vendredi, nous vraiment contents ensemble avec vous. Vous êtes capable de former, vous êtes seulement pour capable de souhaiter vous passer un très bon vendredi et surtout un très très bon week-end. Sous les nationales d'Haïti, rendez-vous pour une prochaine édition du journal matin. C'est lundi, bien bonheur. Bonne journée, bon week-end à tout le monde, à la prochaine.